Après avoir passé 8 saisons au sein de l'équipe Cofidis avec laquelle il a obtenu plusieurs victoires, notamment sur les courses françaises comme le Tour de Poitou-Charentes et l'Étoile de Bessèges, et quelques places d'honneur sur les Flandriennes et le Tour de France, en 2022, Christophe Laporte va donner une nouvelle direction à sa carrière en rejoignant l'équipe réputée comme la meilleure du monde, la formation Jumbo-Visma. Le Varois ne va pas attendre longtemps avant de briller avec sa nouvelle équipe, puisque sur la première étape de Paris-Nice, il va sortir du peloton en compagnie de ses coéquipiers Wout van Aert et Primoz Roglic, qui vont laisser la victoire à Laporte, qui remporte à la même occasion sa première victoire en World Tour. Attendu sur les classiques flandriennes comme équipier de luxe pour Wout van Aert, il va répondre présent en étant le seul à pouvoir accompagner le prodige belge et futur vainqueur du Grand Prix E3 pour aller chercher la deuxième place de l'épreuve. Et le français va continuer sur sa lancée sur les routes de Gent-Wevelgem, où après avoir mené une course d'attaque, il va une nouvelle fois finir deuxième, seulement battu par l'érythréen Biniam Girmay. Fort d'un bon début de saison, Laporte doit être sélectionné pour participer au Tour de France, un Tour de France dominé par son équipe qui va lui laisser jouer sa chance sur la 19e étape, et Christophe n'a pas laissé passer l'occasion de briller, et dans le final arrivant à Cahors, le coureur de la Jumbo-Visma va sortir du peloton dans le dernier kilomètre, et poussé par une horde de spectateurs et téléspectateurs, Laporte va aller chercher sa première victoire sur un grand tour, mais aussi l'unique victoire française sur ce Tour de France 2022. En fin de saison, Christophe Laporte va aller chercher une victoire ainsi que le classement général du Tour du Danemark avant de décrocher la deuxième place sur la course en ligne des championnats du monde, seulement battue par la pépite belge Remco Evenepoel. Par la suite, il va aller décrocher une victoire en solitaire sur Binche-Chimay-Binche, confirmant ainsi les belles promesses qu'il a montrées en 2022. Laporte va aborder la saison 2023 de la plus belle des façons, puisque pour sa course de reprise L'Omloop Het Nieuwsblad, il va aller décrocher la troisième place sur cette course remportée par son équipier Dylan Van Baarle. Il va remettre ça dès le lendemain en allant chercher la sixième place de Kuurne-Bruxelles-Kuurn, où son équipe a fait une démonstration en réalisant un doublé avec la victoire de Tijs Benoot devant Nathan Van Hooydonk. Après une 13e place sur Milan-San Remo et une 23e place sur l'E3, le français va prendre le départ de Gent-Wevelgem, et dans la deuxième ascension du Kemmelberg, alors que son équipier Wout van Aert décide d'accélérer, Laporte est, comme sur le Grand Prix E3 2022, le seul à pouvoir suivre le Belge. Les deux coureurs de la Jumbo-Visma ne vont cesser d'augmenter leur avance, si bien qu'ils vont compter jusqu'à près d'une minute trente. Et Van Aert, en grand champion, va donc décider de laisser la victoire à Laporte, qui remporte donc par la même occasion la première Flandrienne de sa carrière. Trois jours plus tard, sur À travers la Flandre, il va attaquer à près de 4 km de l'arrivée pour aller décrocher une nouvelle victoire, cette fois-ci en solitaire, prouvant ainsi aux sceptiques que sa victoire sur Gent-Wevelgem n'est pas seulement due à la clémence de Wout van Aert. Les nombreux succès obtenus par Christophe Laporte depuis son arrivée chez Jumbo-Visma montrent les nets progrès du Varois ces dernières années, avec des stratégies et une maîtrise des courses bien plus marquantes qu'à l'époque Cofidis, prouvant ainsi aux sceptiques que son choix de rejoindre une équipe étrangère fut le bon. Mais les résultats et progrès de Laporte, ainsi que de coureurs comme Alaphilippe, Sénéchal et Bardet, qui performent dans des équipes étrangères, démontrent que pour progresser il faut parfois sortir de sa zone de confort, mais cela peut également montrer les limites de la formation des coureurs ainsi que des équipes françaises qui semblent de plus en plus dépassées face à la concurrence étrangère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.
à me dire aussi ce que vous avez pensé du son et du montage. Je maîtrise pas encore forcément très bien, mais bon, ça va s'améliorer avec le temps. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actualité cyclisme.